Alors. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Niveau 11. Je suis niveau 11, donc on va aller faire ça. Préparez-vous à partir! Non, 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 où tu vas? On va s'arrêter ici! En avant. Mais regarde un peu où tu vas. Tu crois qu'Ulysse a dû s'occuper de son père malade? Cassandra, je ne t'avais pas revue depuis que tu m'as emmenée voir les ruines d'Ulysse. Odessa, tu t'en souviens? Comment aurais-je oublié? Tu m'as dit de mener ma propre vie, sans me préoccuper de la grandeur d'autrui. On dirait que tu as suivi mon conseil. J'ai dû prendre soin de mon père malade. Alors non, je n'ai pas eu le loisir de mener la vie dont je rêvais. Je comprends ton amertume. Tu aimerais voyager, et à la place, tu dois rester ici. C'est bon de se sentir comprise. Si ta vie ne te plaît pas, libre à toi d'agir. Pas avant que mon père soit rétabli. J'aurais besoin d'une ou deux choses. Tu pourrais peut-être m'aider? Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Qu'est-ce qu'il te faut? Quelques herbes de la vallée du roi Lélex, près d'ici. Ainsi qu'une décoction à laquelle mélanger les herbes. Un marchand me la met de côté, au marché. Ton père doit être vraiment souffrant pour que tu ne puisses pas y aller. Je suis sa seule enfant. Je préfère rester, au cas où son état empirerait. Tu sais de quoi souffre ton père? Non. Et son état ne s'arrange jamais. En tout cas, la décoction et les herbes apaisent ses souffrances. S'il meurt, tout ce domaine t'appartiendra, non? Oui, mais je le vendrai. Quelle meilleure raison aurais-je de tout laisser derrière moi et de vivre ma propre Odyssée. Pourquoi ce nom lié à l'Odyssée? Je suis une descendante d'Ulysse. L'Odyssée, Odessa. Reste auprès de ton père, je vais revenir avec les herbes et la décoction. Alors, les armes médicinales sont en Mégaris, elles sont au sud du forgeron, elles sont proches du titan de place. Oui.
les herbes dont Odessa a besoin. Ça, on sera tranquille. Mégaris, la ville des cochons. Tout est bon dans le cochon, ma grande. Le marchand doit être celui dont a parlé. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos familles. Les meilleures marchandises qui soient. J'ai même des choses pour les mercenaires comme toi. Odessa m'envoie. Oh, mais bien sûr, je l'adore. Et ça m'aurait fait plaisir de la voir. C'est pour son père, j'imagine. Donne-moi la somme et tu auras sa commande. Allez, on va essayer de le menacer. Non, je ne paierai pas. Si tu ne veux pas la mort de son père sur la conscience, tu vas me donner ça. Ah, pas de chantage affectif avec moi. Et puis d'abord, qu'est-ce qui me prouve que c'est bien Odessa qui t'envoie ? Bon, on va pas le frapper. Non je plus. Reviendrai quand j'aurai la somme. Eh bien, qu'est-ce qu'il te faut ? Tiens, voilà. Les ventes rapides, c'est ce que je préfère. J'espère que ça aidera Odessa. Elle peut pas voler. Pour
nourriture. Ce n'est pas le sang qui fait le courage. Mais de quoi il se mêle, lui, là? La crève. Tu vas crever. Malaka, t'es obstiné, toi. Allez, on se tire. Cours. On y va. Coucou. Hop là. Allez, on y va. Tu ne partiras pas. Tiens, bouffe. C'est fait. Moi, j'ai brouillé bien tout seul. Ces hommes sont au service du dirigeant de Megaris. Apparemment, Odessa leur a causé des ennuis. On convoite aussi le domaine de son père. Les herbes et la décoction n'ont rien? Tu les as, n'est-ce pas? C'est tout ce qui t'inquiète? On vient de nous attaquer. Tu dois avoir l'habitude. La contrée regorge de bandits. Que contient la lettre que tu as lue? C'est à toi qu'on en voulait, à toi seul. Pas à moi. Je n'en reviens pas. Apparemment, c'est lié au domaine de ton père. Ils veulent probablement vous en chasser pour se l'approprier. J'aurais pu mourir, sans avoir eu l'occasion de me faire un nom. Tout le monde m'aurait oublié. Heureusement que je suis revenue à temps. Oui, heureusement. Et maintenant? Les enjeux sont plus grands que ce que tu m'as laissé entendre. Je ne pensais pas que tu t'y trouverais, Mélie. Mais maintenant que tu l'es, je peux te prouver que je suis la victime. Bien. J'ai été si heureux de voir revenir au... Tu es prête à apprendre toute la vérité sur ces événements? Bien sûr. Je le savais. Tu penses que ces gens m'en veulent, et tu as raison. Mais j'aimerais en avoir la preuve. La vérité apparaît toujours. C'est vrai. Et alors, je pourrais suivre les traces d'Ulysse. Tant que tu chercheras à atteindre la gloire, ton nom restera dans les mémoires. Peut-être qu'on mentionnera aussi ton nom dans les chants qu'on écrira sur moi. Si on veut découvrir la vérité, il nous faut un indice. Et le message que tu as trouvé, celui du dirigeant de Megaris, il prépare quelque chose. S'il existe une preuve qu'il t'en veut, elle sera chez lui. Je peux aller voir. Tu ferais ça pour moi? Je trouverai cette preuve. Bien. J'aimerais en finir avec tout ça. Tu as une idée de ce que je dois chercher? Cet homme est le plus puissant de Megaris.
Je ne peux l'accuser que si je détiens la preuve qu'il veut se débarrasser de moi. En supposant que je trouve ce que tu cherches. Ensuite ? Ensuite, j'en parlerai à tout le monde. Le dirigeant ne pourra rien contre mon père et moi, quand on connaîtra ses projets. Je vais revenir avec la preuve, quelle qu'elle soit. Allons chercher la preuve. Je dois aller chez ce dirigeant pour en savoir plus. Avance! Phineas le Ripailleur. C'est là. S'il existe une preuve, c'est ici que je la trouverai. Je vais devoir être prudente. L'endroit est bien gardé. Et on recrute. Je sais que tu aimes la mer autant que moi. Il y a quelqu'un, on se regroupe. Rien ici, en tout cas. Un oiseau.
nouveau ? Non, rien de ce côté. On ouvre l'œil. Cette saleté est sûrement tout près. Pas de problème. Laisse rien passer. Pour la gloire ! On va chercher ensemble. Compris. Allô, allez, avance. Passage. Rien pour l'instant. On va l'attraper. Venez, j'ai trouvé quelque chose. J'ai quelqu'un d'aide à l'attraper. Qu'est-ce qu'il y a à voir ? Pas la moindre trace ! On ne laisse personne s'échapper. Oui. En inquiétude, on va l'attraper. Ne vous séparez pas ! J'ai tout pris là. Oh mais il a l'air très bien ce monsieur. Enfin, cette dame, parce que non, c'est une dame. Tiens! Tu seras bientôt dans l'autre monde! Allez, on recrute. Un homme appelé Barnabas engage des marins pour mon équipage. Voilà. Par contre, elle m'a filé une armure. Armure. Niveau 10. Elle est mieux que la niveau 11.
Le dirigeant de Megaris voulait pousser Odessa à épouser quelqu'un. Un moyen idéal pour s'emparer du domaine de son père. D'après cette lettre, Odessa a engagé d'autres mercenaires. Je me demande pourquoi. Cette lettre parle du domaine d'Odessa et de la nécessité de s'en emparer. Par tous les moyens nécessaires. L'un des prétendants d'Odessa est mort mystérieusement peu après l'avoir rencontré. Je crois que j'en ai assez appris. Il faut que je retourne voir Odessa. Dirigeant de Megaris convoite le domaine d'Odessa. Il a tenté d'arranger un mariage pour s'en emparer à la mort de son père. Mais d'après ses lettres, un de ses prétendants a été tué sans que l'on sache comment. On sait pourtant qu'elle a engagé d'autres mercenaires. Difficile d'affirmer si Odessa est une victime ou non. Te revoilà. Avec de bonnes nouvelles, j'espère. J'ignore encore si elles sont bonnes. J'ai trouvé deux preuves indiquant qu'on veut t'éliminer. Parfait. Et pour quelle raison? L'une d'elles est la richesse de ta famille, l'autre est liée à un mariage arrangé. Il y a maintenant de quoi prouver que je suis la victime. Tu as engagé d'autres mercenaires? Oh, pour de petites choses ici et là. Qui n'a jamais eu besoin de mercenaires, après tout? Un homme que tu devais épouser a connu une fin brutale. Il a probablement été tué par ceux qui en veulent à ma vie. Avec tout ce que j'ai trouvé, je sais ce qui se passe. Ah, et c'est quoi? Tu es une victime ou le dirigeant a raison? Allez, tu es la cause de tout. Ce n'est pas parce que ta famille est riche qu'on veut te tuer. Tu te fais passer pour une victime. Je parie même que l'homme que tu devais épouser a été tué par le mercenaire que tu as engagé. Je t'ai demandé de m'aider, pas de m'accuser. Tu devais m'apporter la vérité qui me permettrait de commencer mon odyssée. Ne t'en fais pas, c'est pour bientôt. Je gâche ma vie en restant ici. Il peut se passer beaucoup de choses en peu de temps. Crois-moi. Bon, eh bien, je crois qu'il n'y a plus rien à faire maintenant. Allez, viens avec moi. Pourquoi nous dire adieu? Tu pourrais rejoindre mon équipage? Alors que tu t'es retourné contre moi et m'as reproché tout ça? Tu l'avais mérité. Mais tu as aussi failli me persuader que tu étais innocente. Une vraie prouesse. Merci. J'imagine. Et ton père devrait être à l'abri, maintenant que tu as la preuve qu'on voulait vous tuer tous les deux. On ne s'en prendra pas à lui pendant ton absence. Alors, qu'en dis-tu? D'accord. Que pourrais-je faire d'autre, après tout? Formidable. Et voilà.
Et on va mettre lui. Bon, très bien, allons vendre des choses. Macarias le dérisoire. On va faire baisser la prime d'abord. Je dois rester hors de vue. Il est stylé, mais il est un peu pourri en même temps. Allez, salut! Je peux pas t'annuler.
Allez, allons voir par là. Oui, tout de suite. C'est qui, lui? Macarius le dérisoire. L'oracle de Delphes. On va aller voir c'est là. Aïe. Fallait que je vende des choses. Bienvenue, Mysterious. Allez, alors... Ça... Il vendrait pas du bois par hasard. Merci d'être venu.
Allez, hop. Préparez-vous! On s'en va! Où va-t-on, capitaine? C'est où? C'est pas vous, dans le photo, là. Ah, c'est là. Quel niveau, le truc? 11 à 13, bon, ça va. Nous sommes en mer. Repliez la voile. Repliez. Il y a des requins. C'est un art, ma belle. Mon père disait que si Nyx t'aveugle, il faut chercher Hécate. Ça va, j'ai réussi à esquiver les requins. Le capitaine prend la... On va aller là, il y a un truc intéressant. Allons-y! Thank you.
peut repêcher ça. Réduisez l'allure. Capitaine, quitte le pont. Les trésors. Là n'est pas de ce monde. Paradès, qu'est-ce que c'était que ça? Je n'ai pas l'impression de pouvoir franchir cette porte. Une autre fois, peut-être. C'est dedans, non? Il y a une stèle avec un œil. La grimpe? Non, je veux pas. Allez. Tiens. Hein.
Mais non! Est-ce que tu veux bien arrêter de mongoliser là ? Bouge-toi, le fion. Oh là là. Je vais voir s'il n'y a pas une sortie que j'aurais pas vue. Ah voilà, on est sorti, j'avais pas vu. Par contre, ils ont mis la caméra beaucoup trop haut. Une vie de pirate. Allons-y. Merci aux dieux de t'avoir envoyé. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est ton équipage? Des pirates. Ils nous ont presque tous tués, mais ils ont emmené mon frère. Il faut que tu l'aides.
tu as de l'argent. Je ne vais pas risquer ma vie ou mon navire pour le frère d'un marin. Sauf si tu as de l'argent à me proposer. Je suis pas marin, je suis charpentier. Et mon frère aussi. C'est notre père qui nous a appris le métier. Intéressant. Notre navire aurait besoin d'un charpentier. J'ai travaillé sur des navires et réparé des coques qui avaient des trous aussi gros que le point de Poséidon. Alors, sauve mon frère et je rejoindrai ton équipage. Marché conclu. Où est-ce que je vais trouver ces pirates ? Il y a une île à l'ouest de la baie aussi et au sud du mont Helicon. On dit qu'ils viennent de là. Tu sais autre chose qui pourrait m'aider ? Je ne sais pas. Tout s'est passé très vite. Avec la guerre, il y a plus de pirates que de tiques sur une truie en ce moment. Mais leur campement n'est sûrement pas bien loin. On va trouver ces pirates et libérer ton frère. Allez, c'est parti pour la chasse aux pirates. Travaillera pour nous. Alors allons chasser ces pirates. Du nerf et de la sueur, les gars. Ramez comme si vous aviez servi sur une... Préparez les rames. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah, mais tirez pas à côté! Il se prépare à tirer! Attention, attention! J'ai besoin d'un coup! Allez! Tire de flèche! On les a immobilisés! À l'abordage! On va les aborder! Tiens, va faire un tour dans l'eau, ça te fera du bien. Quittez vos postes.
Ton frère qui m'envoie. Ah, celui-là. Il faut toujours qu'il envoie quelqu'un faire le sale travail. Je suis dans quel état? Tout va bien se passer. C'est gentil. Tu mens très mal, mais c'est gentil. Quel message veux-tu que j'apporte à ton frère? Dis à mon crétin de frère que je... Trouver mon frère? Où est-ce qu'il est? Pour rester en vie, il a accepté de travailler pour ces pirates. Sinon, il l'aurait tué. Je regrette, je n'ai rien pu faire. Quoi? Il serait mort plutôt que de se joindre à des pirates. Notre père a été tué par des pirates l'été dernier. Depuis, il hait tout ce qui touche à la mer. Dis-moi la vérité! Ton frère est mort. Je n'ai pas voulu te... C'est ça. Tu as pensé que je préférerais le croire en vie plutôt que savoir la vérité? Je ne travaillerai pas pour quelqu'un qui méprise autant la vérité et le sens de la famille. Je dois partir. Je veux être seul avec ma peine. Ah mince. Merde.
peut-être celle-là. Ah, voilà. Si je veux éviter un combat, je dois rester caché. Voilà, vous reprenez vos places. Quelqu'un joue le flotteur de chien. Allez ! Il n'y avait pas de chien la dernière fois. Ton frère qui m'envoie. Ah, celui-là. Il faut toujours qu'il envoie quelqu'un faire le sale travail. Je suis dans quel état? Tout va bien se passer. C'est gentil. Tu mens très mal, mais c'est gentil. Quel message veux-tu que j'apporte à ton frère? Dis à mon crétin de frère que je... Je... Trouver mon frère? Où est-ce qu'il est? Bon, cette fois-ci, on fait pas le con. Il n'a pas survécu. Je regrette. Oh non, non, non! Je vous maudis, Dieu cruel! Il n'y avait pas de Dieu sur ce bateau, seulement des pirates. C'est moi qui l'ai supplié de m'accompagner. Il détestait la mer! Tenir une lance m'a souvent aidé à oublier la peine. Si tu es prêt à tenir parole, nous te donnerons un marteau. D'accord. Il n'est plus rien qui me retienne ici. Peut-être mieux aller consulter l'oracle d'abord. Préparez tous vos armes! Ce navire va nous toucher! Les archers, comment? Mais de la chance de s'en sortir! Ah.
tiens, c'est toi. Elle va faire un tour dans l'eau, quoi. Qui arrive derrière. Archer, soyez prêts à tirer. Emmenez-vous sans question. Ennemis dans ses flèches. Préparez-vous à tirer. Ennemis s'apprête à tirer. Tirez vite. Ah, mon Dieu. Tirez. Préparez vos armes. Plus vite. Rejoignons le large. Alors, l'oracle, c'est où ? Changer un peu en lâche. Olympique. On va aller synchroniser d'abord.
Je me rappelle les histoires de ma mère à propos de Kira et des guerres sacrées. Je me demande si elle est venue ici. Ça, c'est quoi ça? Bienvenue, mon ami. Je suis Sargon, consignataire d'antiquités mythiques et extraordinaires. J'ai tout ce que tu pourrais désirer, et bien plus, à titre onéreux, bien entendu. C'est presque trop beau pour être vrai. N'essaie pas de me rouler, marchand. Par les dieux, jamais je n'oserais essayer. Je suis toujours prête à dépenser quelques drachmes si le prix est raisonnable. Je n'accepte pas les drachmes. La seule monnaie qui m'intéresse est l'oricalque. Jamais entendu parler. Comme beaucoup de gens, heureusement. C'est un métal précieux d'une époque ancienne. Il possède des propriétés que Sargon, ton serviteur, trouve... attirantes. Qu'est-ce que tu vends, au juste? Beaucoup de choses, mon ami. Beaucoup de choses. J'ai des armes, des armures, des vêtements et des accessoires pour toi, tes amis et même ton navire. Quel genre de marchand refuse les drachmes? Le genre qui s'intéresse à des moyens de paiement plus rares et plus précieux. Dis-moi où trouver de l'oricalque. On peut en trouver dans tout le monde grec si l'on sait où chercher. Tu peux aussi consulter le tableau d'affichage pour des tâches spécifiques. Sargon n'est pas le seul à négocier l'oricalque. Très bien. Voyons ce que tu proposes. Oikos, des concurrents olympiques, réussissez des quêtes quotidiennes et des contrats de guerre ou primes spécifiques pour vous procurer des fragments d'oricalque. Vous pourrez les échanger auprès de Sargon pour des objets épiques ou légendaires ou laisser les lieux décider en choisissant le cadeau olympique. Avance tes jambes, elle est bien. L'olympique. Moi j'en ai deux, je vais pas aller voir ça. Bon alors. Thank you.
Cet endroit sera en alerte. Allez, Phobos. Allez. Passer par là. Allez. Maison de la pitié. Avance. Hey. Le sanctuaire de Delphes. Les dieux eux-mêmes veillent sur cet endroit. Espérons que l'oracle offre de meilleurs présages que celui de Sparte. Cassandra, c'est splendide, non? Je peux sentir la présence des dieux et toute l'affection d'Apollon. Et alors, avec Elpenor? Je te le dirai plus tard en privé. Qui est-ce? Oh, un simple pèlerin. Il vient de voir l'oracle. Je lui ai demandé si elle était aussi imposante qu'on le raconte. Et alors? Elle l'est? Je l'ai quittée avec plus de questions que de réponses. C'est comme ça, un oracle. Moi, c'est Hérodote. Tu n'as pas menti. C'est bien la lance de Léonidas. Oui, j'ai un peu parlé de toi.
plus de discrétion. Il avait l'air de s'intéresser aux légendes, comme toi. Je me suis dit que vous pourriez vous entendre. Mais comment ? Tu reconnais ma lance d'un simple regard ? Tu n'es pas qu'un simple pèlerin, n'est-ce pas ? Les apparences sont trompeuses, Adelph. Même la mienne. Je m'appelle Hérodote. Je suis un conteur. Du moins, je l'étais. Cette guerre nous pousse à changer de métier. Je suis plutôt d'accord. Mais pourquoi caches-tu ton identité ? Je représente quelqu'un. Un Athénien. Un homme très puissant. Nous voulons mettre fin à cette guerre. Tu m'as dit que tu venais poser une question personnelle à l'oracle. La guerre est personnelle, Barnabas. Alors, tu es venu demander à la pitié des conseils pour arrêter cette guerre. Oui, mais il se passe des choses étranges à Delphes. Des gardes partout, des gens que l'on chasse. Tu n'as pas l'air d'avoir confiance en la pitié. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Je lui ai demandé comment mettre fin à la guerre. Elle a répondu, le printemps ne doit pas souhaiter l'hiver, car il apporte la mort. Quelle sagesse ! Moi, j'y comprends absolument rien, mais c'est pour ça qu'elle est là-bas, et que moi, je suis ici. Je pense plutôt que c'est une menace. Tu as vécu trop longtemps à Kefalonia. Cette file est grotesque. Il y a toujours autant de gens qui veulent voir la pitié. Ce ne sont pas de simples gens. Chaque cité envoie ses ambassadeurs sacrés demander conseil au nom de sa population. La pitié ne guide pas seulement le destin des individus, mais celui de tout le monde grec. Imagine le pouvoir que détiendrait celui qui lui dicterait ses paroles. C'est Apollon qui les lui dicte. Mais oui. Delphes ne ressemble pas à ce qu'on m'avait décrit. Elle a toujours été comme ça ? Bien sûr que non. C'était autrefois un endroit des plus accueillants. Mais par les temps qui courent, avec les guerres, les gens consultent la pitié pour des motifs plus politiques. En temps de guerre, les prophéties suscitent des réactions brutales. Mieux vaut laisser vos lames dans leur fourreau. Verser le sang à Delphes est une insulte à Apollon. Le châtiment est sévère. J'ai moi aussi des questions pour la pitié. Mais quand je vois cette file, j'aurai des cheveux blancs quand je la verrai. Tu plaisantes ! Avec toutes tes armes, rien ne te résiste. Je ne suis pas venu créer des ennuis. Des ennuis ? Vas-y, c'est tout ! Qui va t'arrêter ? Le prêtre ? Très bien. Mais si les choses tournent mal, ce sera ta faute, Barnabas. Elle est bien comme je l'avais décrite, non ? Je viens voir la pitié. Seuls ceux qui ont reçu la lumière d'Apollon peuvent entrer. Comment fait-on pour la recevoir ? On fait la queue, comme tout le monde. J'ai l'air de quelqu'un qui fait la queue. Entre dans la lumière d'Apollon, la lumière qui éclaire les ombres. Choisis bien ta question, mortel, car tu n'en poseras qu'une. Cherche la vérité. J'ai perdu ma mère quand j'étais enfant. Je dois la retrouver. Où est-elle ? C'est toi, celle des visions !
l'enfant sur la montagne. Comment peux-tu savoir ça? Tu dois partir. Vite. Partir? Tu sais tout ce que j'ai fait pour arriver jusqu'ici? Oh, je le sais. Je t'ai vu feindre l'ignorance à Chaosos. Tu as laissé un mal inconnu te dicter ton choix. Des innocents sont morts par ta faute. Mais comment? Nul ne peut se cacher de la lumière. Je t'en prie. Je viens de loin. Tu dois avoir les réponses que je cherche. Enfant de la montagne, le culte de Cosmos a des yeux partout. Il va te tuer. Culte de Cosmos? L'oracle a parlé! La prophétie t'appartient! Tu n'as pas répondu à ma question. La pitié va se retirer. Je ne partirai pas sans réponse. Ah. Hérodote, tu es toujours là? Où est Barnabas? Il a regagné votre navire. Tu sembles mécontente de ta prophétie. Elle... elle savait qui je suis. C'est la pitié. Il est normal qu'elle prétende te connaître. Non, c'était vrai. Elle a dit qu'elle m'avait vu enfant sur une montagne. Quel enfant n'est pas allé sur une montagne? On m'y a jeté de cette montagne. Ma vie a commencé et s'est achevée là-bas, je te le dis. Elle savait qui je suis. Elle a cherché à m'avertir. À t'avertir? De quoi? Elle a parlé du culte de Cosmos. Tu en as déjà entendu parler? De vagues rumeurs. Un culte différent des autres qui viendrait à Delphes? Je n'ai pas prêté attention. La pitié semblait en avoir peur. Les gardes l'ont emmené. Ils l'ont emmené? Alors les rumeurs étaient vraies. Si ce culte a corrompu la pitié, c'est une nouvelle épouvantable. Tu comprends ce que ça veut dire? À travers elle, ce culte dirige le monde. Il faut que je la voie quand elle est moins... entourée. Ça réclamerait une intervention divine. Elle est toujours entourée de gardes. Tu en sais plus que moi sur la pitié. Où est-ce qu'elle peut être? Quand elle n'est pas au temple d'Apollon, elle est chez elle, dans la Cora de Delphes. Je ne peux pas briser toutes les portes pour la retrouver. La maison de l'oracle doit être facile à trouver. Elle est sûrement la seule habitante de la Cora de Delphes à vivre dans le luxe. À quel endroit de la Cora de Delphes vit la pitié? On dit qu'elle habite en bordure du village. Mais méfie-toi, il y aura des gardes. Tous ceux qui veulent voir la pitié ne sont pas animés des meilleures intentions. Je vais trouver où habite la pitié. Et j'aurai mes réponses. Rappelle-toi, Cassandra. Quand la finesse s'impose, mieux vaut savoir oublier la force. On sait où elle habite, la pitié, on est passé devant. Bon, mon cheval a disparu. En avant, Phobos! L'oracle se cache à l'intérieur. Je vais enfin obtenir des réponses. Un parmignon 3 pouces.
On va essayer de le recruter. Allez. Feu, ça marche. Pas grave. On m'attaquera ça, on peut dire que la Pity est bien protégée. Ce bouclier, tiens, cadeau. Recrute-le. Ah, il est mort. Allez, viens, allez, viens, allez, viens.
tenir bien longtemps. Prends ton destin entre tes mains et viens naviguer à bord de mon navire. Rejoins mon équipage. Tu ne le regretteras pas. Ah, je suis déçu que ce soit moi. Oh, y a monsieur, j'ai un beau casque. Ça suffit maintenant. Hey, debout. Les deux, un. Ah, j'entends que ça recharge. Recruter. Je cherche des marins. Et je te paierai comme personne ne t'a jamais payé. Au feu, dégâts incendiaires. Ok. Je ne suis pas venue te faire de mal, mais je veux des réponses. L'appétit est l'instrument sacré des dieux. On vient de très loin me poser des questions. Personne n'a jamais osé envahir ma maison. La colère d'Apollon sera rapide et cruelle. Garde ! Assez de mensonges. Dis-moi ce que je veux savoir. Je ne peux pas. Respirez. Si tu élèves la voix, ou si tu me mens, je te tranche la gorge. Je suis déjà morte. Ils sauront que tu es venue ici, et ils me tueront pour ça. Qui ? Le culte de Cosmos ? Parle ! Oui, le culte veut ta mort. Il sait que tu es ici. C'est quoi ce culte de Cosmos ? Ils sont les yeux qui voient sans être vus. Arrête avec tes énigmes. Je veux des noms. Je n'en ai pas, je te le jure. Ils se cachent derrière des masques et des voiles. Pourquoi travailles-tu pour ce culte ? Je n'ai pas le choix. Alors, toutes les prophéties divines que tu livres sont des mensonges pour lesquels on te paie ? La plupart s'intéressent à l'amour ou à la mort. Je leur dis ce qu'ils veulent entendre. Mais quand les questions portent sur la politique ou la guerre, le culte me paie cher pour transmettre ces messages. Tu dis m'avoir vu dans tes visions. Qu'est-ce que tu as vu ? Il y a un artefact sous le temple d'Apollon. Il révèle ce que les dieux seuls devraient savoir. Tu m'as appelé l'enfant de la montagne. Le culte traque un enfant de Sparte qui a survécu à une terrible chute du mont Taygetos. L'artefact a dévoilé qu'il s'agissait de toi. Tu as l'occasion de faire ce qui est juste. Dis-moi où je peux trouver ce culte. Dépêche-toi de parler, ou on ira le chercher ensemble.
Il y a une très vieille salle sous le temple d'Apollon. Je crois que c'est là qu'ils se réunissent. Mais sans masque et sans cape, n'espère pas y entrer. Où peut-on trouver un masque et une cape ? Un homme vient me rendre visite de temps en temps. Il s'assure que je ne manque de rien. J'ai la plus grande maison de la Cora de Delphes, mais il continue à me payer. Je le trouve effrayant. Quel est son nom ? Elpenor. Elpenor ? Il fait partie du culte ? Je n'en suis pas sûre, mais si c'est le cas, il détient sûrement ce que tu cherches. Et tu sais où je peux le trouver ? Il y a un fort au sud de la vallée de la Nymphe. On dit qu'il mène des affaires là-bas. Merci infiniment. Maintenant, sors de chez moi. Il faut que j'annonce à Hérodote ce que m'a dit la Pythie sur le culte. Qui sait, il aura peut-être une idée. Oh merde! On va aller faire le loup d'abord, hein, parce qu'apparemment ça a fait échec à la mission. Paré à prendre la mer. La barre n'attend que toi, capitaine. Oh là là. On va faire le sort du loup d'ailleurs. Anna.
On se met en route. Le soleil monte. Oh, Mystios, comment était Mégaris ? Le loup est mort. Excellent. Voilà ton paiement, comme convenu. Tu t'attendais à ce que j'ergote ? Allons, Cassandra. Ce n'est pas tous les jours que je pousse quelqu'un à tuer son père. Sauf qu'il n'était pas ton vrai père. N'est-ce pas? Pourquoi m'as-tu envoyé tuer Nikolaos? Parce que je t'en savais capable. Oh, pourquoi lui? Parce qu'il était brillant. Il aurait pris Athènes en un mois, deux au plus. Et Stentor n'a pas le génie du loup. Ah, tu avais l'intention de sauver Athènes? Une guerre brève rapporte peu. Je sais, ça fait beaucoup de choses à la fois. Viens. Dis-moi, Mystios, est-ce que tu as appris quelque chose d'utile auprès du loup ? J'en ai assez dit. Je ferais mieux de te tuer. Quel tempérament. Ah, il te disait pourtant différente, mais le sang ne ment pas, j'imagine. Qui ça, il ? Et quel sang ? Tu as décidément plus de muscles que de cervelle. Dommage. J'aurais pu faire appel à toi pour d'autres tâches. Malaka ! Tu crois pouvoir t'amuser avec moi ? Je vais t'arracher la langue ! Tu me déçois beaucoup. Caméra, caméra. Les dieux seraient de son côté. Ah, mais... Ah!
ferait bien d'examiner sa maison. Une lettre pour Elpenor. Oh, Phoebe, tu l'as conduit jusqu'à moi. Phoebe qui sert à rien, comme d'habitude. Je cherche une femme. Je me demande qui il veut manipuler. C'est un manifeste de navire. Elpenor vend des armes à Athènes et à Sparte. Il a intérêt à ce que cette guerre s'éternise. J'en ai rencontré des traîtres, mais aucun d'aussi perfide qu'Elpenor. Je vais soulever chaque pierre et fouiller toutes les ombres. Je trouverai et tuerai ce serpent. Mais voilà. Allez, on va mettre le casque de Papounet. C'est un, on peut assommer une cible. Bon, maintenant il faut aller où? Ouais, mais il n'y a pas de truc. Allez, allez.